Thank you.
papel. Pues sí. Ahora, ¿cómo se llama? Merci, mec. Plaisir. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de soirée jusqu'à maintenant. Évidemment, on vous salue tous. Merci d'être là. Monsieur Légaré, entre autres de la commission scolaire, Monsieur Saint-Maurice qui est porte-parole de l'événement ce soir, Monsieur Picard qui est là, député de Chaudière. Évidemment, toutes les directions qui sont passées à travers le temps ici de l'école. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être là ce soir. Pour nous, c'était une grosse soirée organisée, mais que de plaisir de le faire pour réunir tous ces gens qui sont passés à Leslie avec toutes ces années et des gens qui ont eu un parcours remarquable, entre autres, dont on voulait souligner ce soir, entre autres, avec le dévoilement du mur. Alors, je vais essayer d'être bref, parce que Dieu sait que des fois, ça peut être long. Donc, je vais commencer par remercier les directions d'être là. Les directions, vous avez été des dizaines d'hier à aujourd'hui à être présents ici à l'école, à succéder à la tête, mais toujours dans un même but, la qualité de vie éducative des élèves. Parce que diriger une école, c'est plus que gérer des budgets et une équipe, c'est s'assurer que les élèves qui entrent dans cette école soient de façon motivée, à réussir leurs différentes matières, mais aussi à les aider à se découvrir en tant que personne. Et ça, c'est tout aussi important, sinon plus, que le fameux diplôme qu'on a en secondaire 5. Et Dieu sait que chaque personne a son propre chemin pour en arriver à découvrir qui il est. Donc, c'est ce qui rend peut-être la tâche plus ardue, mais vous le faites toujours de belle façon. Merci beaucoup d'encourager, évidemment, les jeunes à chaque année pour se découvrir et de les aider à cheminer à travers tout ça. Je pense que de la part des 25 000 personnes qui sont passées à Leslie comme étudiants depuis 50 ans, on peut clairement vous dire un merci puis vous partager une belle main d'applaudissements. Les différentes personnes qui seront honorées ce soir, on vous présentera dans les prochaines secondes avec plaisir. Vous êtes juge, animateur, animatrice de radio, vous êtes astrophysicien, acteur ou actrice, médecin, homme et femme d'affaires et j'en passe. Là. Vous avez tous un parcours unique, un parcours différent. Pour qui certaines personnes, cette fameuse passion, cette fameuse flamme a débuté ici à l'école. Pourquoi on a décidé de faire le mur de l'excellence cette année à l'école? C'est parce qu'on espère que votre parcours, à chacun et chacune, soit en mesure d'influencer de manière positive, évidemment, le parcours des jeunes des 50 prochaines années qui vont passer ici. Félicitations, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être présent ici ce soir. On va prendre le temps de vous présenter rapidement. On va le refaire en bas dans les prochaines minutes. Alors, entre autres, Anne et Catherine Monard. Je sais que Catherine est là ce soir. Tu sais, des fois, là, on est trop proches. On a drôle regard directement. Myriam et Romy de l'usine Maguire. Merci beaucoup, mesdames, d'être là présente ce soir encore une fois. Madame Caroline Boudou, qui est là également, au fond de la salle. Ariane Fortin-Brochu, juste ici. Michel Bouffard. En avant, de moi. Marie-Pierre Larrivé, qui est là également ce soir, juste face à moi. Marc Lacroix, qui est avec nous. Qui est, voilà, au fond. Pourtant, en plus, vous dépassez d'une tête. Jacques et Réjean Demers, merci beaucoup d'être présent encore une fois. Monsieur Michael Rancourt, qui est présent également avec nous. Et Hubert Proulx, merci beaucoup d'être là. Finalement, l'honorable Sabrina Grand,
juste en arrière ici. Merci. Alors voilà, c'est vous qui êtes présent ce soir et qui aurez la lourde tâche de vous faire prendre en photo et finalement d'être les personnes qui seront les personnes ressources pour la passion de certains qui vont passer ici à l'essai dans les prochaines années. Je laisse la parole à M. Saint-Maurice, qui est le porte-parole de l'événement ce soir, qui avait quelques mots à vous dire. Ah oui, bientôt. Alors, je serai plus bref qu'en bas, mais je vous avertis d'avance. J'ai écrit pour ne pas être trop long. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Alors, merci, M. le Président. Alors, on est dans une certaine intimité qu'on n'aura pas en bas de salaire quand on va être plus de 450 personnes. Donc, je veux remercier d'abord mes collègues de la direction d'école et tous ceux qui ont travaillé à éduquer des jeunes et des moins jeunes au fil des années et qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut parler avec beaucoup de fierté de cette noble école. Et puis, c'est sans votre aide et votre soutien que ça n'aurait jamais été possible de le faire. On n'attribue pas ça à une personne. On m'a mis porte-parole, hein. C'est pas parce que je suis plus avec les autres, mais j'ai collé plus longtemps à l'école. Puis j'ai toujours dit que c'est l'argent de l'école, alors faut pas gêner pour le dire, c'était l'argent de l'école. Bon. Il y a quand même 25 ans. Je vais pas le dire. Moi, 25. Je suis parti il y a 25 ans, donc à mi-chemin. Hein? Là, le reste appartient aux autres qui ont continué le travail. Aux membres de la Fondation des filles jeunesse, dont M. Marois est le président, je veux dire merci beaucoup de vous être préoccupé de souligner ce parcours de 50 ans. C'est un gros défi. Et puis, je veux remercier à l'initiative initiale qui était la création de la Fondation des filles jeunesse avec deux lascars qu'on connaît bien, qui sont des légendes dans l'école, M. Fillion et Rochon. M. Rochon était un de mes élèves dans ma première vie quand j'enseignais. Alors, ça ne me rajeunit pas peut-être, ou ça le fait vieillir lui, je ne sais pas. Alors, mais ce soir, on accueille une quinzaine d'ex-élèves sur les 25 qui seront mis en nomination ce soir, qui ont su profiter de leur passage à l'ESD pour recueillir suffisamment de savoir, hein, et pour cheminer dans différents types de carrières et devenir des modèles pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors, c'est pas en fonction de vos réussites à l'école quand vous étiez là. C'était quand même très bon, c'était très bon. Mais c'est en fonction aussi de ce que vous avez pu prendre en considération pour votre expérience de vie, puis continuer. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours dit, un élève qui aime son école va toujours réussir davantage qu'un élève qui vient à l'école à reculons. Et l'objectif que moi j'avais avec l'équipe qui était ici, c'était que chaque élève aime l'école pour sa raison à lui et finisse par être diplômé. Si c'était possible, je parlerais à tout le monde, mais c'est ça. Et je pense qu'on a atteint un bon bout de chemin, et ça a été continué. Et c'est le message que je donne encore aujourd'hui aux différentes directions que j'accompagne dans leur formation. Alors, on va reconnaître en bas tout à l'heure, dans une cérémonie élargie, vos réussites, puis votre portrait, etc. Là, ça va être tout le beau. Hein? Alors, votre seule présence parmi nous ce soir est un grand élément de festivité. Vous serez accompagné au fil des mois et des années de quelques autres personnes qui méritent aussi cette reconnaissance. Il y aura des compléments au tableau qui vont être apportés. Alors, on a peut-être oublié une ou deux personnes, peut-être. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, c'est certain, parce que vous allez donner le signal du départ en même temps. Alors, heureuse idée de cette fondation qui a pris cette initiative encore une fois. Alors, merci au Dynamique Comité organisateur. Moi, je ne suis rien là-dedans, là. Je suis un instrument. C'est tout un contrat et un beau défi. Je suis très fier d'être le porte-parole de cet événement et vous remercie encore une fois d'y contribuer par votre importante présence et votre réussite quotidienne. Voilà. Merci. Merci. Dans les prochaines minutes, on va vous laisser entre les mains de Maryse. Maryse qui va s'occuper de vous. On va vous préparer. Finalement, avec Camille, évidemment, et Annie, on va vous préparer à descendre en bas dans les prochaines minutes. Alors, on se retrouve en bas pour le dévoilement du mur, puis évidemment, on va vous laisser profiter encore une fois de cette soirée-là par la suite. Alors, on va inviter les grands SCN et CN à venir ici, vêtir la toge, et on va inviter les autres à se rendre à la cafétéria pour le dévoilement du mur. Je pensais que c'était un peu comme ça, le jeu des sécurités.
Thank you.
Ça sera pas très long. Alors, ceux qui sont dans le couloir, je le répète, ceux qui sont dans le couloir, venez me rejoindre à la cafétéria, on va débuter. Et je vous demande d'être silencieux pendant quelques minutes. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, je me présente, mon nom est Étienne Collins. Je suis diplômé de l'École secondaire des Etchemins en 1968. Merci beaucoup d'être ici en si grand nombre ce soir. Je débute simplement en vous faisant quelques rappels pour la soirée. Alors, le bar qui est juste à droite de la scène, ça fonctionne avec des coupons. Si vous voulez acheter des coupons pour pouvoir prendre une consommation, c'est ou les escaliers à l'entrée principale, à la boîte à billets. Alors, c'est l'achat de coupons se fait à cet endroit-là. À l'auditorium, il y a un espace qu'on a fait pour vous, qu'on a appelé l'espace Nostalgie. C'est les albums finissants. C'est des magazines, c'est des photos, donc c'est des éléments de vos années. Je vous invite, lorsqu'on aura terminé ici, à aller jeter un coup d'œil si vous voulez. À l'intérieur de l'auditorium, il y a également des projections, il y a une vidéo qui est projetée. Il y a aussi l'Eldo qui est ouvert, alors je vous invite, suite aux élections qui s'en viennent, à aller faire un tour de ce côté-là. Alors je vais vous demander un moment de silence, s'il vous plaît, on va débuter, on va vous présenter aussi ce qu'on a sur quoi on travaille depuis quelques temps à la Fondation. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter le président de la Fondation de l'École secondaire des Etchemins, Gabriel Marois. Oui! Merci d'être présent ce soir en grand nombre. On a travaillé très fort d'ailleurs sur cette soirée pour vous remémorer ces belles années que vous avez passées à l'Estlé. Alors on vous remercie d'être présent. Bonsoir à nos petits députés qui sont présents ce soir. Monsieur Marc Picard, député de Chute-la-Chaudière et vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Richard Légaré, commissaire de la Commission scolaire des navigateurs et vice-président du comité exécutif. Madame Cathy Boudreau, qui est directrice de l'école. Monsieur Yves Saint-Maurice, porte-parole de l'événement et ancien directeur. Et à vous tous, anciens professeurs, membres du personnel, élèves qui êtes ici ce soir. Si vous êtes là, c'est que tout comme moi, vous êtes des gens qui avaient l'Estlé tatoué sur le cœur. Est-ce que j'ai raison? Oui! Cette école, pour de nombreux élèves, a été le point marquant sur un début d'une passion, d'un avenir. C'est ici, entre ces murs, qu'on a pu grandir, évoluer et découvrir différents aspects de la vie grâce à des enseignants et du personnel qui étaient dévoués. C'est ici que bon nombre d'entre nous avons pu découvrir ce que nous aimerions faire quand on allait être grand. Pour ma part, c'est la vie étudiante de l'école secondaire qui m'a fait comprendre que, par la radio étudiante, c'est ce que je voulais faire dans la vie. Et aujourd'hui, grâce à cette étincelle qui est créée aujourd'hui, ben, j'ai l'occasion de vivre mon rêve, et excusez-moi l'expression, mon rêve de petit cul. Il y a quelques années, lorsque j'ai su que la Fondation, le défi jeunesse de l'école, avait financé certains éléments qui allaient naître cette passion-là, j'ai décidé de m'impliquer au niveau de la Fondation, et aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir vous accueillir ici en tant que président de la Fondation Défi jeunesse. Sans faire tant de bruit, la Fondation a, depuis plusieurs années, aidé à rendre concret des projets pilotés par les élèves. Le plus récent, la fabrication d'une mascotte de l'Estlé qui sera dévoilée dans les prochaines semaines, d'ailleurs. Il y a eu la radio étudiante, l'auditorium, le studio et j'en passe où la Fondation a financé les projets. Elle a été présente également pour venir en aide aux élèves étant moins nantis, pour leur permettre également de vivre les activités étudiantes au même titre que leurs confrères et que leurs consoeurs. Elle a également comme mission de garder le contact entre l'école secondaire Les Etchemins et ses anciens élèves, comme par exemple la soirée que nous vous offrons à vivre ce soir. Je pense pouvoir parler au nom du conseil d'administration en disant que notre but dans les prochaines années sera de poursuivre sur cette lancée et même d'en offrir plus à la prochaine génération qui connaîtra certains défis comme nous, mais des défis différents. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être avec nous ce soir et je laisse place à M. Marc Picard, député des Chute-la-Chaudière et des présidents de l'Assemblée nationale. Bonsoir. Je suis très, très heureux d'être ici parmi vous pour souligner les 50 ans de l'École secondaire des Etchemins. Aussi, pour souligner votre anniversaire, j'ai prononcé une déclaration de député le 19 septembre devant les collègues de l'Assemblée nationale et j'ai eu le plaisir de remettre un certificat
à M. Saint-Maurice, accompagné de Mme Annie Dumont et de M. Gérard Fillon, présents au Salon Bleu. Pendant 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses à l'école. Et une soirée comme celle-ci est l'occasion par excellence pour vous rappeler de bons souvenirs et pour vous raconter plein d'anecdotes et expériences inoubliables. L'ESLE, c'est plus qu'une école. C'est un milieu de vie où les jeunes développent le goût d'apprendre, l'estime de soi, la fierté d'appartenir à un groupe, et c'est ce que l'ESLE fait depuis sa création en 1969. À cet égard, je veux profiter de cet événement pour remercier tous les professeurs, directeurs et autres membres du personnel qui ont contribué avec dévouement au développement de l'école et à la réussite des jeunes. Je tiens aussi à féliciter la Fondation Défi Jeunesse pour l'organisation de cette magnifique fête et remercier M. Yves Saint-Maurice qui a accepté d'être le porte-parole. Bravo également à tous les anciens élèves qui figurent sur le mur de l'excellence. Vous vous êtes démarqués grâce à votre parcours exceptionnel et représentez des modèles de réussite pour tous les jeunes de l'esprit. D'ailleurs, j'ai souvent l'occasion de rencontrer des personnes qui sont passées par l'esprit. Et je constate qu'ils entretiennent encore un grand sentiment d'appartenance pour cette belle école. Pour terminer, on dit souvent qu'il faut se rappeler d'où on vient pour savoir où on va. Donc ce soir, on se rappelle la belle histoire de l'ESLE avec un regard porté vers un avenir prometteur. Merci beaucoup et bonne soirée. On va tenter de faire rapidement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de choses à se dire, mais on va vous demander quand même de laisser un petit moment pour les différentes personnes qui ont quelques mots à vous dire, s'il vous plaît. Alors, j'invite M. Richard Légaré, commissaire de la Commission scolaire des navigateurs et vice-président du comité exécutif, à vous dire quelques mots également. Alors, bonsoir tout le monde, ça me fait un grand plaisir d'être ici ce soir pour représenter le conseil des commissaires et aussi la commission scolaire des navigateurs. 50 ans, ça peut être long ou ça peut être très court. Je pense qu'il y a eu des beaux moments, il y a eu des tempêtes, il y a eu toutes sortes de choses, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Dans l'instruction, on est partenaire. Travailler en équipe. Et dans l'équipe, il y a eu un paquet de monde qui ont fait partie de l'équipe, comme on dit, de la commission scolaire pour former, instruire et donner des passions aux gens depuis 50 ans. Ça continue, ça n'a pas été parfait, on travaille là-dessus. Et quand c'est pas parfait, c'est une occasion d'amélioration. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans les entreprises d'amélioration continue. Alors, on est en mode amélioration continue. Et je vous invite à prendre part au partenariat qui se développe, qui se continue. Et je désire aussi, au nom de la commission scolaire et du conseil des commissaires, de féliciter les gens qui sont sur le mur des, ce que j'appelle le mur des célébrités. Et là, je sais pas, on a besoin de tout le monde. Et ce qui serait le fun, ce serait que les gens qui sont sur là, chapeau ou encore, prennent comme un mentorat un élève aujourd'hui pour continuer dans les prochains 50 ans. Merci, bonne fin de soirée. Allez voir qu'on vous présente le mur, le fameux mur que vous voyez depuis le début de la soirée. Oui! 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 Ça s'en vient dans quelques secondes. Avant de se rendre là, s'il vous plaît. Avant de se rendre là, on a deux autres personnes qui vont vous adresser quelques mots et on va vous les présenter par la suite. Alors, la prochaine à venir vous dire quelques mots, c'est Mme Cathy Boudreau, la directrice de l'école. Je pense que je vais prendre le micro, ça va être un petit peu plus fort. Bonsoir tout le monde, c'est impressionnant de voir tous ces grands à l'ESLE. On a l'habitude d'avoir des visages un peu plus jeunes. En premier lieu, je tiens à vous remercier de votre présence parmi nous. Sachez que votre participation à ces festivités du 50e anniversaire de l'école est très appréciée.
En deuxième, je voudrais aussi adresser un merci particulier, en fait, remercier chaleureusement le comité organisateur de cet événement. Alors, merci à tous, merci à la Fondation Défi Jeunesse d'avoir pris l'initiative d'organiser cette soirée. Enfin, je vais être brève, mais permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous parler de ma relation avec les SFEM. Il faut dire que pour moi, un 50e anniversaire, ça évoque spontanément un anniversaire de mariage. Peut-être parce que mes parents ont célébré leur 50e anniversaire de mariage récemment. En fait, ça évoque rien de moins que des noces d'or. C'est peut-être pour ça que l'essai est écrit ici de en doré. Donc, je vais vous parler de mon histoire d'amour avec l'essai. Je vais parler d'amour parce que les gens qui ont fréquenté l'essai ont, pour la plupart, développé un fort sentiment d'attachement pour cette école. L'essai, quand on la regarde de loin, elle impressionne. Elle est souvent crainte. Je dirais qu'elle est méconnue, surtout. L'essai, c'est quand on y entre, quand on y étudie, quand on y enseigne, quand on y travaille, que la relation se développe. Et le scénario est souvent le même. On est d'abord intimidé quand on arrive dans cette grande école. Et puis, tranquillement, on l'apprivoise, puis on se laisse apprivoiser, puis enfin, on en tombe en amour. Certains partent, on la quitte parfois, mais c'est toujours pour mieux revenir. Et souvent, les gens y reviennent dans un nouveau contexte. On est passé d'élève à enseignant ou d'élève à professionnel dans l'école. On est passé d'élève à parent parce que nos enfants vont fréquenter l'école. On est passé d'enseignant à membre de la direction ou de membre de la direction à la direction générale et on y revient dans les grands événements. Bref, quand on a fréquenté l'ESLE, on ne peut l'oublier. Et je dirais que plusieurs ont même fini par l'épouser. Personnellement, ce soir, je me sens un petit peu comme une intruse parce que mon histoire d'amour avec cette école est très jeune. J'ai rencontré l'ESLE il y a 13 ans. Je la fréquente quotidiennement depuis 3 ans seulement. Donc, 3 ans que j'ai épousé cette école-là. On peut donc dire que je suis encore en lune de miel. En passant, 3 ans, ce sont des noces de froment, pas très glamour. Il faut attendre 15 ans pour que ce soit un petit peu intéressant avec les noces de cristal. Alors, plusieurs personnes ici ce soir ont une histoire d'amour beaucoup plus profonde et beaucoup plus ancrée que la mienne avec cette école-là. J'aimerais savoir combien fêtent ce soir leurs noces de cristal avec l'esprit. Alors, qui a fréquenté l'école voilà 15 ans ou qui travaille depuis 15 ans? Juste à main levée. Il y en a quelques-uns, quand même. Est-ce qu'il y en a qui fêtent leurs 20 ans avec l'ESLE, donc des noces de porcelaine? Quand même, il y en a encore. Est-ce qu'il y en a qui fêtent leurs 25 ans, des noces d'argent? Wow! Est-ce qu'il y en a qui c'est plus que ça? Que vous ayez fréquenté notre école il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 50 ans, n'hésitez pas ce soir à regarder votre voisin, votre voisine et à aller lui raconter votre histoire d'amour avec le ciel. En terminant, je souhaite de tout cœur, parce que c'est la vision qu'on s'est donnée cette année, je souhaite de tout cœur que l'ESLE ait été pour vous un tremplin pour votre réussite, un tremplin pour vos rêves, vos projets, vos passions. À tous et à toutes, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère qu'on se reverra dans 10 ans pour célébrer le 60e anniversaire, parce qu'à 60 ans, on fête les noces de diamants et j'adore les diamants. Bonne soirée! Donc, on a de la pression pour 10 ans, finalement. C'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup, Mme Boudreau. Et terminons avec notre porte-parole de l'épisode ce soir, Yves Saint-Maurice, que je pense que vous connaissez. Que vous en prie.
comprendrez que je suis extrêmement heureux d'avoir accepté d'être porte-parole. Considérez qu'il y a 500 personnes qui sont ici ce soir, qui sont déplacées pour vivre un événement unique dans une école exceptionnelle. C'est pas toutes les écoles qui vivent un 50 ans. D'abord, il faut commencer par naître. Mais les écoles qui se rendent à 50 ans, est-ce qu'elles ont toutes la conscience d'avoir réussi avec la plupart de leurs élèves? Moi, je dis, pour l'estime, la question ne se pose même pas. Merci, M. Picard, d'avoir pris l'initiative de souligner à l'Assemblée nationale, au niveau national, les 50 ans de l'estime. Merci. Merci à ceux qu'on oublie souvent, ceux qui travaillent dans l'ombre, qui ont accompagné des élèves depuis 1969 jusqu'à aujourd'hui, par intervalles irréguliers, les directions qui se sont succédées, qui étaient là-dedans, les directions adjointes qui travaillent comme pas deux, mais comme trois, les élèves, et bien sûr tout personnel, enseignant, qui communique le savoir, et le personnel de soutien qu'on ne voit pas, mais qui sont comme des petits camarades qui nagent et les pattes vont vite dans l'eau. L'exemple de ce soir, c'est la réussite de tout ce monde-là ensemble. C'est pas tous les jours fête. On bâtit une réussite seulement sur des bons coups, c'est faux. Il faut parfois souffrir pour s'améliorer. En ce sens, chacune des 50 années ont contribué à cette maturité. On me dit que ça n'a pas toujours été beau. Moi, quand j'étais ici, c'était toujours beau. Mais c'est chauvin un peu de ma part. Bon. La création de la Fondation des filles jeunesses, avec M. Fillon et Rochon, que vous connaissez sans doute. Ben oui! Ils sont quelque part dans le peuple. Sont où? C'est, l'idée, c'était de s'assurer la pérennité de la vie étudiante et de la réussite éducative. Merci au président actuel de la Fondation, Gabriel Marois, d'avoir relevé ce défi des retrouvailles. Ce comité a trimé dur pour en arriver à ce soir. C'est encore une marque particulière de ceux et celles qui ont habité et construit cette école. J'ai été ici pendant 10 ans, ce qui équivaut en chiffres à 20% du temps historique de l'école. Je suis parti à mi-chemin il y a 25 ans. Je suis arrivé ici il y a 35 ans. J'ai encore présent à l'esprit cependant le 11 mai 1994, oui. Quand tout le monde à l'extérieur de mon bureau, sur le parvis à l'extérieur, avait chanté « Adieu, monsieur le directeur ». Ouais. 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 Comme m'avait dit quelqu'un à sa retraite, ça a été le plus beau jour de ma vie. Bon, lui parlait pour lui, mais je pensais qu'il voulait dire « en fin des parties, on va pouvoir respirer un peu ». Mais non, il voulait dire que ça avait été un moment le plus émotif de sa carrière d'enseignant. Vous ne nommerez pas, vous allez rire. Bon. Il y a eu des élèves, 25 000 et plus. Il y a eu des membres du personnel, plus de 1500 qui sont passés par ici. Il y en a qui sont décédés, tant du côté des élèves que du côté du personnel. Cet après-midi, j'ai été à des retrouvailles autour d'un corps. Ce ne sont pas des retrouvailles tout le temps agréables, mais c'était comme un complément à cette soirée. On a souligné le décès de M. Marc Gagnon. Marc Gagnon, professeur de musique dans les années 80 et 90, qui est décédé mardi. Et c'était comme un lien entre le passé et le présent. Et j'ai revu là un paquet de profs de musique. Et je dois vous dire que la musique, quand elle est entrée dans cette école avec Régis Bouchard et Marc Gagnon, cette école a changé. Cette école a changé avec l'arrivée de ces deux profs-là en musique, mais aussi avec la contribution d'un paquet d'autres choses. Je pourrais vous parler des spectacles secondaires 3, 4, 5, des grandes virées. Je pourrais vous parler du premier chien Mira qui accompagnait un élève dans une école secondaire au Québec. Il accompagnait Maxime Lemay, aujourd'hui décédé. Je pourrais vous parler de la caravane des vacances, des cérémonies de diplomation avec les toges et tout le reste,
des reconnaissances aux élèves méritants année après année, de la centrale administrative des Jeux du Québec en 1997, jeu alors accordé à une MRC pour la première fois au Québec, qui ont marqué l'histoire, et présidé par M. Gilles Boutin, un professeur de cette école, aujourd'hui malheureusement aussi décédé. Je pourrais vous parler aussi des sports à profusion, d'une ligue d'impro incomparable. Je pourrais vous parler aussi du plus haut taux de diplomation des écoles secondaires publiques francophones du Québec en 1992. Oui. Et c'était le résultat de beaucoup d'années d'efforts. C'était, on était comparables aux Anglais. Je pourrais vous parler des fêtes de l'Halloween, je pourrais vous parler des grands lauréats, qui a été une autre initiative, etc. Tout ça toujours dans un seul but, que chaque élève aime venir à l'école pour quelque raison que ce soit. S'il trouve du plaisir à l'école, il trouvera du plaisir à étudier, et il réussira, et c'est ainsi que devraient être toutes les écoles du Québec. La semaine dernière, mon garçon qui enseigne à des élèves en très, très grande difficulté de comportement, une école juste ça, juste, a reçu un écrit d'une mère qui a écrit à mon gars, mon garçon a 13 ans, la mère a écrit « Monsieur Charles », c'est le nom de mon gars, « Pour la première fois de sa vie, mon gars s'est levé ce matin en disant qu'il avait hâte d'aller à l'école. » C'est ce qu'on devrait retrouver dans toutes les écoles pour tous les élèves. Oui. Alors, oui, vous avez raison. Alors, ce soir, on célèbre la réussite. Je termine en soulignant mon profond attachement à cette école et à tous ceux et celles que j'y ai côtoyés. Ça dépasse largement mes 10 petites années que j'ai passées ici. Par après, jusqu'en 2008, j'ai accompagné des gens qui étaient à cette école. Et je conserve encore quelques contacts et des occasions pour poursuivre ce rêve devenu réalité. Merci sincère encore une fois aux membres de la Fondation, plus particulièrement à son généreux président, M. Gabriel Marois. C'est bien ça que tu m'as dit, t'sais? Ah oui, c'est beau ça! Non, mais pas dit, mais je vais pas me le dire. Il l'a dit à la radio après-midi. J'aimerais nommer tous les membres de ce comité, mais je risque de les oublier. Vous avez leur nom dans le dépliant, n'est-ce pas? Bon, vous les présenterez peut-être. Merci encore de votre présence. Félicitations aux nouveaux membres qui font partie des grandes célébrités de l'école. Il y en aura d'autres. Et qui est un bel exemple, tellement pratique et réel, de la réussite et de la fierté. Je vous promets, au 100e anniversaire de l'école, je ne parlerai pas. Merci, bonne soirée. Mesdames et messieurs, monsieur Yves Saint-Maurice. The Rockstar. Je prends quelques instants, simplement parce que Yves en a parlé dans les dernières secondes. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée-là. Je les nomme en rafale rapidement. Annie Dumont, Camille Dubé, Christian Dumont, Denis Fréchette, Étienne Domingues, François Drouin, Isabelle Teixeira, Jean-François Giguère, Nicolas Laroche, Marie Jonf et Valérie Bélanger. Je pense qu'ils méritent une belle main d'applaudissement. D'ailleurs, j'inviterai Annie et Maryse qui ont travaillé très fort au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines, à réaliser ce qu'on va vous présenter dans les prochaines secondes. Ça a demandé énormément de recherche, de préparation. Et monsieur Saint-Maurice également, on va vous inviter à revenir sur scène pour dévoiler ce fameux mur-là, qu'on a nommé le mur de l'excellence. Ce sont des personnes avec un parcours qui a été marquant dans leur domaine, que ce soit au niveau philanthrope ou encore au niveau professionnel. Alors, je pense que c'est le moment qu'on vous présente le fameux mur de l'excellence. Et on va vous présenter d'ailleurs dans les prochaines secondes sur la vidéo juste ici ceux qui en font partie de ce mur-là d'ailleurs. Thank you.
qui se retrouve sur le fameux mur de l'excellence de l'école secondaire Les Etchemins. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des trous. Donc, des personnes qui aujourd'hui sont à l'école, qui vont se démarquer dans les prochaines années, pourront également être ajoutées. Et permettez-moi de vous en présenter quelques-uns qui sont ici avec nous ce soir, un peu plus de la moitié d'ailleurs, qui ont pu se libérer et venir vous saluer et évidemment être intronisés sur ce fameux mur. Alors, on commence avec Anne, qui est absente malheureusement, et sa sœur Catherine Monat. On va inviter Catherine à venir en voir. Catherine et Anne assurent la relève de leur père Bernard depuis près de 15 ans à l'entreprise familiale Cassis Monat a été reconnue mondialement. Elles ont gradué de l'ESLE en 95 et 98. Félicitations. Myriam et Romy Bélisée, Maguire. Non. Après avoir designé plus de 3000 paires de souliers au groupe Aldo, Myriam Melzine Maguire se lance à l'été 2016 dans l'aventure entrepreneuriale avec Maguire Boutique. Romy a été directrice communication marketing de l'Association des agences de communication créative de 2013 à 2017 et est maintenant cofondatrice de Maguire Boutique. Elles ont gradué en 2002 et 2004. Ouais! Caroline Boudou. Professeure titulaire à Polytechnique de Montréal au département de génie physique, Caroline Boudou est responsable du laboratoire d'imagerie et diagnostic optique à Polytechnique Montréal depuis 2008. Elle a gradué de l'ESLE en 1994. Ariane Fortin-Brochu, connaît un moment marquant d'ailleurs dans sa carrière. Au Jeux du Commonwealth de 2014, lorsqu'elle remporte la médaille d'argent, elle a ensuite réalisé l'exploit de se rendre aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Et Box Canada a nommé Ariane boxeuse féminine de l'année en 2006, 2008 et 2009. Michel Bouffard, promotion 92, fondatrice et copropriétaire de la compagnie House Wine, basée à Vancouver de 2003 à 2015, présidente de l'Association canadienne des sommeliers de la Colombie-Britannique, division qu'elle a fondée et où elle a siégé pendant 14 ans. Elle est nouvellement devenue d'ailleurs la sommelière attitrée pour le populaire magazine Véro et vient tout juste de publier un premier livre aux éditions Cardinal. Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi boire. Marie-Pierre Larrivée, promotion 93, pédopsychiatre au CHU Saint-Justine, directrice du programme de sous-spécialité en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Montréal et coordonnatrice de l'enseignement aux résidents en psychiatrie de l'enfant au CHU. Marie-Pierre a toujours œuvré pour la santé des jeunes au Québec. Marc Lacroix, promotion 1989, fondateur et propriétaire de 7 cliniques privées au Québec, le réseau du groupe médical Lacroix peut compter sur une équipe de professionnels expérimentés qui ont à cœur le bien-être de leurs patients. Il est l'un des piliers du domaine de la médecine privée au Québec. Jacques et Régent Demers, promotion 77 et 79. Les grands Demers sont bien connus du domaine de l'agriculture depuis plusieurs générations à Saint-Nicolas. Depuis 90, les fils Régent et Jacques Demers ont pris la relève d'entreprise familiale. Ils ont l'opportunité de continuer d'innover et de réaliser des projets qui sont stimulants, qui n'ont jamais vu les fameux camions avec le logo de la ferme dessus. Michael Rancourt, promotion 80. C'est en fait connaître au début des années 90, Michael s'est fait remarquer en étant le premier imitateur masculin à prendre des voix féminines. En 94, on le retrouve en nomination au Gala de la Disque dans la catégorie Découverte de l'année. Depuis quelques années, Michael parcourt le Québec pour présenter son spectacle des années Joe Box de Gap à Sinatra. Hubert Pou, promotion 95. Gradué à l'École nationale de l'humour du Canada en 2004, où on lui a décerné le prix du lieutenant-gouverneur. Hubert Pou est un artiste très actif sur la scène culturelle québécoise. Il œuvre autant dans le théâtre que la télévision. Il a participé à plus d'une trentaine de productions, dont la série à succès Unité 9. Et il a fait partie également de la comédie musicale Mamma Mia, que vous allez pouvoir voir ici à Québec cet été. Marie-Josée Lombal, promotion 1990, elle fait partie du paysage radiophonique depuis plusieurs années à Québec. Sa voix, sa personnalité exceptionnelle font d'elle un exemple de longévité dans le domaine. Nouvellement collègue d'ailleurs chez Bell Media. Elle est de la distribution d'émissions de gaz en semaine de 10h à 14h. Qui est animé par Stéphane Gass et Alexandre Détroit-Energie.
et Sabrina Grand, promotion 1994. L'honorable Sabrina Grand rapidement su se démarquer dans le domaine du droit. Après son admission au barreau en 2001, il est nommé procureur en chef adjoint au bureau des affaires pénales au sein du directeur des poursuites criminelles et pénales. Et en 2016, elle devient juge à la Cour municipale de Québec. Bravo! Et certains cours des différents honorés qui sont présents ici ce soir. Présent sur le mur et présent en personne également, et à qui on voulait évidemment féliciter leur parcours. Et on espère que votre parcours d'ailleurs sera une inspiration pour les jeunes qui seront à venir dans les prochaines années ici à l'école. Merci beaucoup d'être là ce soir. On va garder nos honorés sur la scène pour prendre une photo officielle avec M. Picard, M. Saint-Maurice, la directrice de l'école Cathy Boudreau également, et M. le commissaire. Et vous, de votre côté, c'est top fêté! Merci d'être là, amusez-vous.
un petit peu le chevaux. Ouais, ouais, c'est ça. Yeah.
Merci.